Salut les entrepreneurs, ici Aurélien Macaire, l'auteur du livre « Je gagne ma vie avec mon blog ». Une vidéo un petit peu spéciale, vous allez voir, je vais vous emmener sur mon ordinateur, je vais vous montrer le compte en banque de ma société. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, j'ai des gens qui t'entendent me laisser un commentaire en me disant « Voilà, ok Aurélien, tu fais plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois de chiffre d'affaires, mais au final, combien d'argent il te reste ?» Et en fait, il faut que je vous explique un truc, c'est que moi, mon business est un petit peu particulier, je travaille que avec du trafic gratuit. Ça veut dire qu'en fait, j'ai très peu de frais. Donc, ça veut dire ce que je gagne, grosso modo. C'est pas tout dans la poche, il y a les impôts, il y a la TVA, et voilà, il y a pas mal, j'ai aussi des frais, etc. Mais grosso modo, vous allez voir que c'est un business qui est super rentable. C'est-à-dire, j'ai pas à dépenser des milliers d'euros dans la publicité. Donc, je fais cette petite vidéo pour vous montrer. Donc, on est sur le site de ma banque qui, donc j'ai créé une société en Irlande. Pourquoi? Parce qu'en fait, mes sites internet sont sur des serveurs en Irlande. J'ai des clients dans une vingtaine de pays, j'avais calculé un jour. Alors, c'est des gens qui sont francophones pour la plupart, mais qui sont un petit peu partout dans le monde. J'ai également, j'utilise des logiciels qui ne sont pas forcément disponibles. Par exemple, Stripe, à l'époque, n'était pas disponible au Portugal où j'habite. Pour plein de raisons techniques, j'ai créé ma société en Irlande. Donc, ça, c'est le compte de la société. Donc, je vais me connecter. Donc là, c'est ma date de naissance. Alors, vous ne regardez pas. Hein. Je vous fais confiance. Hop, donc… Alors, vous admirez quand même l'interface de la banque, le site internet, le design. Je le date à peu près, je dirais 1962, peut-être 62, 63. Voilà, il y a ligne épurée, etc. Donc là, il y a une histoire de petits codes secrets, etc. Donc on continue toujours. Vous voyez, je passe de ça, je fais tabulation, j'arrive à ça. C'est super pénible. Il faut que je clique. Bon, c'est pas grave, c'est pas leur spécialité. Je vous fais confiance. Hein. Vous regardez pas mon clavier. Hop, je continue. Et voilà, je fais cette vidéo en fait pour montrer un truc un petit peu marrant. C'est que j'ai créé ma société en Irlande il y a 6 mois et vous voyez qu'en fait, je viens de dépasser les 50 000 euros sur le compte. Vous voyez, hop. Il y a 52 341 euros. Et là, vous voyez les transactions. Grosso modo, il y a Stripe. Stripe, c'est quoi? C'est mon processeur de paiement. C'est le logiciel que j'utilise pour encaisser les cartes bleues de mes clients. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Stripe encaisse les cartes bleues et je crois qu'ils me font le virement une semaine plus tard. Il y a une histoire comme ça, au cas où il y aurait des remboursements, des transactions frauduleuses ou je sais pas quoi. Donc là, vous voyez, 17 octobre, 529 euros. 17 octobre, 1095 euros. Ensuite, on a 18 octobre, 2389 euros. Donc ça, c'est un gros virement. Hein. C'est vraiment un montant important. Puis après, vous voyez les dépenses. Donc, on a Spotify 14,99€ parce que évidemment, j'ai besoin de musique pour travailler. Et on a One&One Internet. Donc, ça, c'est l'hébergement de certains petits sites Internet. Tout Checkout, ça, c'est un logiciel. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est les montants. C'est quelques dizaines d'euros. Et après, ce qui se passe en fait, c'est que j'investis. Aujourd'hui, je paye plusieurs milliers d'euros par mois des développeurs pour créer un programme qui aujourd'hui n'est pas du tout rentable. Mais c'est pas grave parce que vous voyez que même avec ces dépenses, j'arrive à accumuler de l'argent sur le compte de la société. Pourquoi? Parce que justement, si vous voulez, j'ai la TVA à payer, j'ai quelques frais, mais qui ne sont vraiment pas beaucoup, quelques logiciels. Éventuellement, si je veux payer des développeurs. Et ensuite, grosso modo, c'est soit mon salaire, soit les bénéfices de la boîte. Et vous voyez que là, on a dépassé donc les 50 000 euros. Donc voilà, c'est une petite réussite que je voulais partager avec vous. Et surtout, je voulais faire cette vidéo pour expliquer que je ne sais pas forcément lire un bilan, mais je sais en tout cas lire un relevé de compte. Et vous voyez que c'est un business rentable. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, moi, le truc, c'est que je travaille avec du trafic gratuit. C'est-à-dire que j'ai des blogs, j'ai des vidéos sur YouTube qui me permettent en fait de trouver des clients et j'ai pas besoin de dépenser de l'argent en publicité. J'ai déjà fait de la publicité. Je suis arrivé à faire des campagnes rentables sur Facebook, mais c'est pas ma spécialité. Moi, je suis vraiment bon sur comment générer du trafic gratuit. Et c'est marrant parce que gratuit, c'est un côté un petit peu péjoratif. C'est gratuit, c'est cheap, etc. Et vous allez, si vous le savez pas, vous êtes surpris d'apprendre qu'en fait, le trafic gratuit, en général, est deux fois plus rentable que le trafic qui vient de la publicité. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est des gens qui ont un problème, qui sont à la recherche de solutions, donc ils cherchent sur Google, ils cherchent sur YouTube, ils cherchent sur Google, ils trouvent mes blogs, ils cherchent sur YouTube, ils trouvent mes vidéos ou pas, mais les gens qui trouvent, c'est des gens qui sont dans une démarche de rechercher. Et donc, ils ont conscience qu'ils ont un problème et donc, ils sont plus à même de payer pour une solution. Alors que la publicité, on a un côté un petit peu plus opportuniste. On est sur un site, on voit une publicité, pourquoi pas, on clique. Moi, je sais que j'avais du trafic qui venait de la publicité, du trafic gratuit, avec la même séquence de conversion derrière. Je gagnais deux fois plus avec le trafic gratuit donc qu'avec le trafic payant. Donc, non seulement vous margez beaucoup plus, mais en plus, c'est un trafic qui est beaucoup plus rentable.
Et pour confirmer vraiment cette histoire, je suis allé dans la Silicon Valley, j'ai rencontré un entrepreneur français qui s'appelle François Morel, je crois, qui a une boîte qu'il a introduite en bourse qui s'appelle AdSync, qui est la deuxième régie francophone, donc publicité ici connaît, puisqu'il a carrément une plateforme de publicité et c'est la deuxième régie francophone après Google AdSense en termes de volume, Google AdWords, dans le monde francophone. Et je lui ai raconté ça, cette histoire que voilà, le trafic gratuit était plus rentable, et il m'a dit bah oui, c'est normal, c'est comme ça. Et c'est un truc que lui également a toujours constaté. Donc c'est super rentable. Je voulais faire cette vidéo pour vous montrer. Voilà, j'ai dépassé les 50 000 euros sur le compte de la banque. Et ce qui est bien, si vous voulez, comme j'ai révolutionné un petit peu mon business il y a quelques mois, c'est qu'en fait ça va beaucoup plus vite maintenant. Au départ, c'était vraiment lent et ça va beaucoup plus vite maintenant puisque je fais voilà à peu près 20 000 euros par mois, un petit peu plus de 20 000 euros TTC. Donc évidemment, on a quelques dépenses, mais grosso modo, vous voyez qu'il y a de l'argent qui vient. S'entasser sur le compte de la banque, et c'est de l'argent que je pourrai ensuite toucher soit en salaire, soit en bénéfice. Voilà, bah écoutez, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez faire la même chose, j'ai créé une formation en vidéo qui vous explique comment créer un business sur internet qui rapporte 2000 euros par mois ou plus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai fait. À la base, j'ai un petit business sur internet qui rapporte 2000 euros par mois en automatique. Je vous montre comment attirer des visiteurs, comment les convertir en clients et surtout comment automatiser ce business pour pouvoir voilà faire des ventes en automatique. Moi, j'ai un petit business qui rapporte 2000 euros par mois totalement en automatique. Pendant ce temps-là, je peux faire autre chose. Je peux me concentrer sur autre chose, je peux créer d'autres business, je peux partir en vacances. Donc, je vous montre tout dans la vidéo. Pour la voir tout de suite, cliquez en dessous de cette vidéo et indiquez-moi à quelle adresse email je dois vous envoyer la vidéo. Profitez-en, c'est gratuit. Je ne sais pas combien de temps elle va rester en ligne encore. C'est gratuit et vous pouvez, voilà, vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Donc, pour voir la vidéo tout de suite, cliquez en dessous de cette vidéo et indiquez-moi à quelle adresse email je dois vous envoyer la formation gratuite. À tout de suite.